Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui samedi. Il est 9h38 exactement. Tout juste de terminer le petit déjeuner et les enfants sont déjà en train de faire leur leçon. Ils m'ont demandé pour aller jouer dehors. J'ai dit je veux que les leçons soient faites. Et là, tout le monde a sauté sur les leçons. Donc je pense que je vais vite me retrouver toute seule dans cette maison. Enfin non, je serai avec Marceau puisque Marceau. Ah non, mais moi je ne sors pas. Ah bah oui, puis de toute façon, comme il est privé de sortie, il sera là aussi. Il y a qu'à en fait qu'il va aller dehors. Oh ouais, je vais faire un premier vélo, ouais. Non, si tu respectes les consignes. Marceau, doucement. Attends, quoi? Il a derrière. Bon, je vous reprends plus tard. Il est midi, en fait. Comme vous voyez, je suis pas maquillée. J'ai une tête de mort, clairement. Ça change quand même vachement quand on est maquillée et pas maquillée. Je me retrouve dans la lumière. Là, on voit bien mes taches de rousseur. J'adore. Bref, du coup là, bon, comme vous voyez, je suis quand même passée à la salle de bain. Hein, je me suis séché les cheveux, il me reste plus qu'à me maquiller. Maman. Et puis deux minutes. Et puis deux minutes. Et puis là, on va préparer à manger avec Elsa. Je suis trop contente. Le soleil s'est levé. Alors peut-être qu'on va pouvoir aller faire des photos cet après-midi. Et tu pourras prendre ton vélo, pourquoi pas. Donc je suis très très contente, j'espère que ça va durer. Là on prépare à manger avec Elsa, alors je pense que ça va finir en omelette. Alors omelette avec quoi, je ne sais pas. Mais maman, il voulait préparer des pâtes et Elsa prépare de l'omelette. Et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. En fait, pendant que j'étais dans la salle de bain, ils ont voulu descendre tous les deux pour préparer à manger. Et en fait, ils n'étaient pas d'accord, donc comme acheter le tablier. Et il est parti. Quand je dis jeter le tablier, il ne portait pas de tablier, hein, c'est juste une expression. Ça change hein, quand même. Du coup, ça y est, nous nous préparons, nous allons partir. Je suis en train de mettre mes chaussures. Oui, j'ai du linge à ranger. J'ai passé toutes mes serviettes de douche à 90. Ça leur fait du bien, ça fait du bien à la machine. Vu que je vais la donner à Eric, je la décrasse un peu. Et puis, il fait super beau toujours dehors. Alors, on est tous en manche courte. Donc, demain, j'espère qu'il fera aussi beau que ça. Qu'on puisse profiter un peu demain aussi. Donc, je voulais vous dire aussi, j'ai reçu mon petit agenda, je vais vous le montrer. Mais je vous en parlerai un peu plus ce soir. Non, il n'est pas là. La fille trop organisée, que c'est plus qu'elle fait de ses affaires. Voilà. Tadam ! Il est trop, trop top. Je l'ai feuilleté tout à l'heure, voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et franchement, il est trop top. Je suis trop contente. Et j'ai reçu aussi un courrier qui me dit, suite à votre acceptation, je vous confirme l'attribution du logement à compter du 7 juin. Donc j'aurai les clés le 7 juin à 14h30. Et je vais signer mon bail le 21 mai à 10h. Donc je suis contente, je suis très très contente. Ça avance, ça vient bon. J'espère juste que financièrement je ne me plante pas, enfin que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi et que ça ne va pas me mettre dans la mouise. Je ne pense pas. J'ai étudié mon budget quand même. Après, Eric m'a dit si j'avais besoin, il pourra certainement m'aider un petit peu, mais pas non plus à rallonge. Je lui dois déjà pas mal d'argent. Donc, pas mal. Je dois de l'argent déjà. Il m'a prêté déjà un petit peu. Donc, le but, c'est pas que après j'ai une dette énorme auprès de lui. Quoi. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que la CAF se décide à me payer, en fait. Ça serait bien. Parce que tant que la CAF ne me versera pas plus de revenus, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Jusqu'à septembre, ça va être chaud. Hein. Enfin, jusqu'à septembre. En fait, j'ai des droits au Pôle emploi jusqu'au 19 août. Et le 19 août, ils vont recalculer en fait sur mes salaires de quand j'ai travaillé dans la couture. Donc, mes droits vont augmenter. Donc, ça sera un peu plus confortable. Mais malgré tout, je serai en formation. Donc, du coup, je vais avoir la péri, la cantine à payer. Donc, j'espère que ça va rentrer dans les clous quand même. Parce que sinon, ça, si ça ne le fait pas, ça veut dire que je ne pourrai jamais reprendre un emploi tant que mes enfants ne seront pas à l'âge adulte. Quoi. Enfin, ou au moins au collège, tous. Ou peut-être attendre que Marceau soit en CM2 à la limite. Et encore en CM2, je ne sais pas si j'envisagerais de le laisser rentrer tout seul. Enfin, si, peut-être après l'école, mais le matin, mais il y aura toujours la cantine quoi qu'il en soit, donc c'est compliqué. Mais je vais demander au Pôle emploi parce que j'ai entendu parler d'aide justement pour la garde des enfants, pour le transport aussi, pour les mères célibataires justement qui cherchent à reprendre un emploi. Donc
je ne tire pas de plan sur la comète, mais là, je vais faire ma matinée de test jeudi. Et ensuite, avec... Pardon. À savoir si j'ai des dispenses de modules ou pas. Et si c'est le cas... Bon, ça, c'est génial. Adam, il fait pipi sur le pot quand les toilettes sont occupées. C'est plus pratique. Ben, je vais le pot, de toute façon, je vais le virer parce que Marceau, il est grand maintenant et il fait pipi sur les toilettes, n'est-ce pas? Ouais. Et je vais ramener mon pot. Non, je vais le virer, le pot. Il va partir avec les chiens. Que ce soit mien, ouais, partage-le en deux. Donc, quand j'aurai fini ma matinée de formation, enfin de test en tout cas, ils vont me remettre un document disant si je dois faire. Oh là 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 là, mais je peux pas parler là. Si je dois faire la formation entière ou si j'ai des dispenses de modules. Donc, on verra. Mais du coup, si j'ai des dispenses de modules, ça veut dire que la formation coûtera moins cher et que donc il y a plus de chances d'acceptation par Pôle emploi. Les radins. Et du coup, alors Elsa, elle vient montrer qu'elle s'est lissé les cheveux. Bref. Et bah du coup, avec ce document-là, je pourrais aller prétendre à prendre rendez-vous chez Pôle emploi et demander à un conseiller si effectivement je suis susceptible d'être prise en formation, s'il y a des conditions, avec quel revenu, etc. Donc voilà, donc on verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être à jeudi pour justement... en fait, pour moi, c'est un peu un moyen d'évaluer mon niveau et ça fait 10 ans, donc j'avoue que je vais pas dire que j'ai pas confiance en moi. J'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux. Mais professionnellement parlant, c'est difficile vu que j'ai pas fait depuis tant d'années. Donc bah, je vais voir, puis même ne serait-ce que les logiciels Excel et tout ça, enfin... Quoique sur mon ancien ordi j'étais sur Excel 2010, alors ça va, c'est pas trop vieux non plus, je pense, je sais pas. On est quand même en 2019, il y a dû y en avoir d'autres. Bref, on verra bien. En tout cas, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'y être et je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un qui peut m'emmener Marceau à l'école jeudi matin, comme ça moi je pourrais être à l'heure à ma formation. Voilà. Bon, bah sur ce, on s'active, on y va. Séance photo. Séance photo. Combien? 60 euros. Non, 200 euros. Et 200 euros pour 900 personnes. Ça va être chaud. Pardon? C'est lui aussi, madame. Non, c'est pas lui. Mais en fait, ils vont me donner une pièce à billet, une pièce à billet, une pièce à billet. Ah d'accord, donc t'invites 900 personnes et c'est eux qui te payent pour venir à ton mariage. Ah bah oui. D'accord, ah, c'est un bon concept, hein, ceci. Mariage. Cette fois-ci, tu nous invites à ton mariage. Spectacle commun. C'est possible que vous parliez sans prier. Spectacle club. C'est fou, ces enfants, quand même. Ils savent pas parler. Ils ne font que crier tout le temps. Bon, donc nous serons 900 invités au mariage d'Adam. Et il prévoit 200 euros de budget, le reste c'est les autres qui payent. C'est un bon concept, si je me remarie, j'y penserai. Youhou! Ça a une photo. Non, je fais une vidéo là. C'est pour le vlog. Ouais. Alors, je vais pas aller filmer les gars puisqu'ils sont... en compagnie d'autres enfants. Bon, on s'amuse un petit peu, hein. Je les détends un peu avant la séance photo qui va bien les saouler. Allez, encore plus vite. Faire en sorte que vos enfants ne vous demandent plus de les pousser. Vous les poussez comme des dingues et après ils en attendent. Moi je ne te dis pas trop fort. Je suis désolée, hein, je contrôle pas ma force. Ah, ouais.
T'es trop fort. Ils sont fous ces gosses. En tout cas, ils s'amusent. Hein. La séance photo se déroule de façon très délirante. Une de ses démarches. De quoi? T'avais une de ses démarches. Voilà, il l'a à peine fait exprès. Hein. Marceau, tu nous attends, il y a l'eau quand même. Hein. Bon, il est 18h30, on va bientôt rentrer. La séance photo a été assez folklorique. Oh, on a une Elsa qui boude parce qu'elle a pas de balançoire. Elsa, tu peux voir, non. Doucement, Côme. Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Elsa, elle fait rien, elle peut vous pousser. Ouais. Voilà. En fait, personne n'a envie de vous pousser. Ouais. C'était pas là, maman. Voilà, notre petit temps s'achève sur notre beau parc. Notre beau parc. On aurait pu pique-niquer là-bas ce soir. Il fait pas encore assez beau. On s'emballe pas non plus. Donc, c'est parti. Petit tour de tourniquet, puis après on va y aller. Salut, ça va? Mais non, je t'ai dit ça, les petits qui puent! Ah, je t'ai dit la même chose. On est jumeaux, mais je sais pas, on pense la même chose. Bon, alors je vous montre, ce soir c'est Elsa qui a cuisiné. Alors évidemment, elle a cuisiné l'omelette, hein. Pas la salade. Moi j'ai rajouté de la salade parce que j'aime bien. Mais Elsa nous a fait une petite omelette au lardon. Voilà, un petit plat très simple mais très bon. Bon les amis, je vous reprends un petit peu dans l'agitation. Il est 9h moins le quart, les enfants sont en train de débarrasser la table. Moi je voulais, avant de clôturer, vous parler un petit peu de... Alors je suis un peu encombrée parce que j'ai mon pot de colle là avec son casque. N'est-ce pas? De mon petit agenda que j'ai reçu ce matin. C'est mon cahier. Non, c'est pas ton cahier, c'est le mien. Alors voilà, je vous montre. J'en reparlerai, hein. Je vais refaire... Alors je pense que je vais faire une IGTV, vu que je ne peux pas faire de story. Enfin, je peux pas faire de story longue. Bah non, mais les abîme pas. Tu vas les abîmer, là. C'est à moi. C'est à moi. Je vais te dire, c'est quelle couleur. C'est quelle couleur? Je vais te faire plaisir. Tu vas me faire plaisir. Donc, c'est quelle couleur? Non, mais là, tu vas les abîmer. Oui, je vais les abîmer. Donc, c'est quelle couleur? C'est noir, ça. Attends. Et ça, c'est quoi? Bah, dis-le-moi. C'est que des nuances. Et du coup, c'est super dur pour lui. C'est vert. C'est tous verts en fait. C'est différents verts, mais c'est des verts. C'est verts d'eau en fait. C'est des verts d'eau que j'ai pris. Donc, ce sont des petits marque-pages en fait. Pour faire des petits onglets. Pour marquer les pages. Voilà. Donc. Ce fameux petit agenda, franchement, il est super beau. Super beau et super bien aussi. Alors, je vous en reparlerai mieux dans une prochaine vidéo, mais franchement, là, je suis pas du tout à mon aise avec Marceau qui est assis sur mon côté de chaise. À l'intérieur, il y avait ça. Alors, j'en ai déjà décollé deux. En fait, ce sont des petits index pour mettre. Je vais vous montrer. Voilà, je suis désolée pour le... L'orientation de la caméra, ça doit vous donner le tournis. En fait, ça se pose comme ça sur le haut des pages. Et comme ça, vous retrouvez facilement à quelle page vous êtes. Donc, il est très, vraiment très, très bien. Je vais essayer de filmer comme ça. En fait, vous avez des pages planning, là. Calendrier. Bon, bah là, c'est les informations utiles. Donc, ça, c'est le calendrier. Ensuite, il y a les pages planning. Et puis ensuite, c'est semaine par semaine. Alors, je vais essayer de vous montrer mieux. Vous avez une semaine. Et puis après, vous avez les pages
dépenses, recettes, les notes, le bilan positif. J'ai trouvé ça trop bien parce qu'en fait, il y a une petite rubrique, c'est marqué bilan positif hebdomadaire, moment et fierté de la semaine. Donc, vous notez en fait ce que vous voulez. Citation ou pensée positive de la semaine, objectif de la semaine et avancement sur une échelle de 1 à 10. Donc, pour tout ce qui est développement personnel, c'est plutôt pas mal, je trouve. Après, sur les pages agenda, est-ce que vous débarrassez la table, là ? Mais faut que je mette le pansement. Il vous faut 3 heures pour mettre un pansement ? En fait, voilà, tous les jours, vous avez une colonne perso, une colonne pro. Je vais essayer de vous montrer, quand même. Voilà, donc chaque jour, une colonne perso, il faut que le focus se fasse, ce serait bien. Attends, parce que déjà, il n'y a pas de focus, alors si en plus tu rajoutes... Non, c'est pas mal. On va y arriver, non ? Non. Bon, à peu près. Une colonne perso, une colonne pro. Et en bas, en fait, vous avez les routines, enfin les tâches. C'est pénible, là, Marceau. Là, vous avez les tâches, en fait, que vous pouvez écrire vos tâches à la journée. Donc, c'est... Enfin, moi, je trouve ça pratique. Et après, sur le côté... Bah non, c'est pareil, en fait, c'est le samedi et dimanche. Je croyais qu'il y avait des choses en plus. C'est le samedi et dimanche. Et en fait, à la fin, vous avez une partie perso, une partie pro avec des listes de courses, des plannings de menus, des to-do listes, une page pour faire le budget, un budget prévisionnel, un récapitulatif de dépenses-recettes, planning ménage, des routines... les fruits et légumes de saison, donc l'organisation des repas, je l'ai dit, des listes pour préparer les vacances, des emplois du temps, des notes, des contacts, enfin. Et après, il y a toute une partie pro également. Alors dans la partie pro, pareil, il y a des to-do list, alors qui sont en lien avec. Je sais pas si vous m'entendez tellement il y a de bruit autour de moi. Donc il y a des listes hebdomadaires et quotidiennes, suivi quotidien. Alors si vous voulez que je vous dise ce que c'est. En fait, c'est plus là, c'est le côté pro. Hein. Donc, du coup, c'est plus par rapport à pour les personnes qui gèrent un Instagram, par exemple, c'est super pratique. Il y a des carnets de commandes pour les gens qui. Enfin, après, je pense que c'est plus pour les achats, mais pour les gens qui vendent aussi, ça peut être. Je pense que c'est surtout pour les gens qui font des ventes, parce que du coup, il y a marqué achat le et envoie le. Donc, mais bon, moi, je noterai quand même mes achats dedans. Ça me permettra de faire le point sur tout ce que j'ai acheté. Et puis une liste de contacts pro également. Donc, comme je le craignais, ça ne commence que début juillet, donc au 1er juillet. Et puis, bon, du coup, les marque-pages, j'avoue que bon, si j'avais su, je ne les aurais pas commandés, puisque en fait, y a des onglets, parce que moi, je les avais pris pour vraiment marquer les pages en fonction des dates. Et là, au final, il y a déjà ce qu'il faut. Donc, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Mais du coup, ouais, c'est plutôt très pratique. Il y a plein de couleurs. Ouais, il y a plein de couleurs. Je crois qu'il en a pour une semaine là, ça en fait. Plein de couleurs. Vert. Plein de vert. Ouais. Comme ton casque. Quoi ? Ton casque aussi, il est vert. Aussi vert. Qu'est-ce aussi vert. Ouais. En fait, j'aurais dû attendre de les avoir mis au lit pour faire la clôture. Et du coup, je vais abréger parce que voilà, de l'autre côté, c'est très agité et ça commence à m'agacer en fait. Donc, je vais intervenir. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et puis. Je vais pas vous dire qu'on se retrouve demain pour un nouveau vlog parce que ce ne sera pas le cas. Puisque demain nous sommes dimanche, donc nous ne vloguons pas dimanche. Donc je mettrai celui-ci en ligne demain matin avant de partir à l'église. Et je crois qu'il est pressé. Allô. Il a regardé Mulan, je ne sais pas si c'est là-dedans qu'il a entendu ça. Mais... Bref, du coup, donc je me répète, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais des gros bisous, passez un très bon dimanche et puis je vous dis à mardi matin pour vous, pour nous ça sera lundi matin. Allô, bon bisous.